Ok, je prends la carte de l'Afrique d'abord pour dire que ce message est destiné à toute l'Afrique. Suivez-moi attentivement jusqu'à la fin et vous aurez le stand-by de la semaine à la fin de la vidéo aussi. Ok, donc je vais m'adresser à toute l'Afrique entière. Vive l'Afrique, vive le monde, vive l'Afrique, vive les Africains, vive la démocratie en Afrique. On n'est pas dit salut. D'abord, Assimi Goïta du Mali. Et salut à Doumbia de la Guinée, Amadou Doumbia de la Guinée. Salut à Brahima Traoré du Burkina Faso. Salut à Bazoum du Niger. Vous voyez que ça fait quatre points cardinaux. C'est qu'on appelait à l'école là, les quatre points cardinaux. 1, 2, 3, 4. L'Afrique, c'est vrai, le coup d'État. Nos dirigeants n'ont jamais été bons. Ils ne seront jamais bons. Et ceux qui sont ne seront jamais bons. Donnez l'exemple d'abord sur les premières révolutions. Comment est-ce que c'était? Comment ça s'est passé avec Thomas Sankara? Comment ça s'est passé avec Sékou Touré? Je n'étais toujours pas d'accord avec nos colonies. Comment s'est passé avec Modibo Keïta? Comment s'est passé même, disons, avec aussi le coup d'État? Comment s'est passé avec Guy Robert? Comment s'est passé avec Dadis Camara? Vous avez cité le Lumumba et autres. Lumumba et autres. C'est pourquoi j'ai dit vive l'Afrique, vive le monde, vive les Africains et vive la démocratie. Certes, vous êtes venu par le coup de force, par le renversement, vous êtes là. Le mieux, c'est de chercher toujours à organiser les élections, comme je dis. Sinon, le peuple en va vous soulever. Wow, 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 wow. Et demain, là, quand ça va à la vinaigre, là, quand ça va aller mal, là, c'est nous-mêmes, ce même peuple-là, qui allons aussi dire le contraire contre vous. Voilà. La rébellion a toujours été applaudie. Le temps a toujours été applaudi en Afrique, mais ça commence à finir. Excusez-moi. Je vais citer autant, mais m'excuser si j'ai offensé quelqu'un. Je lance ce message aujourd'hui, certes, je suis rien. Personne ne me connaît. Mais n'a-t-on-il pas dit qu'avons besoin du plus petit que soit? Si nous avons besoin du plus petit que soit, c'est que mon message vraiment, vous devez écouter ces trois grands braves, je vais le dire. Aujourd'hui, la France qui menace, soi-disant menace, de faire revenir l'ancien président.